ça, dans le fond, le Civic Turbo, il faut que j'essaye quelque chose. Il y a un abonné, là, je jasais avec lui en PV sur Facebook. Puis il m'a dit de faire un test. Puis il va falloir que je fasse ça. Mais avant, j'avais tout slacké le Durst, fait qu'il faut que j'envisse la Durst, puis il faut que j'en mette un bumper. Puis il faut que je m'arrange pour qu'ils tiennent pour pas leur perdre encore. Oh là là. Je sais pas encore si je mets mon bumper normal ou si je mets mon body kit. De toute façon, le body kit est pas peinturé à la même couleur, genre, pis tu sais, il est tout craqué, pis le bumper stock est comme noir mat d'origine. Pis ça fait comme 2 ans que je l'ai, là, que je l'ai acheté neuf, là, fait qu'il a comme pâli un peu, là, il est comme dans un blanchâtre, genre, plastique détendu, je sais pas, en tout cas. Les deux sont pas beaux, ils sont pas color match, ni un ni l'autre. Je pense que je vais mettre le body kit, ça, qu'est-ce que c'est correct. Fait que je vais commencer par afficher toutes les maudites petites bottes ici. Puis je pense que j'avais slacké les deux là, ou peut-être juste celle-là, ou peut-être juste celle-là, je m'en rappelle plus là. Puis là, dans le fond, c'est ça. Là, mon histoire, moi, je l'ai été plugué dans même. Ça boostait 5 PSI. Quand je l'ai eu, il était boosté un dans l'autre, ça boostait à l'infini. Puis là, ce que je me suis fait dire, puis il y a quelqu'un d'autre aussi qui est passé, puis qui m'a dit la même affaire. On m'a dit plug ça ici. Puis c'est logique parce que tu sais, dans le fond, ça ici, c'est une membrane. Puis ça fait juste pousser comme ta valve. Pour l'ouvrir ou la fermer, genre, tu sais. Si tu pousses ici, elle va la pousser de même, genre, ouverte. Puis si tu la pousses ici, elle va la pousser de même, fermée. Fait que c'est logique. Fait que dans le fond, de même, là, en ce moment, je devrais booster infini. Fait que je vais visser ça, je vais mettre un bumper, puis je vais laisser réchauffer, puis je vais l'essayer ça. Je me rappelle à tout bout de champ sur Facebook, je vois les expressions passer, là. Tu sais, quand tu tapes ton char, puis tu finis que ça rampire, c'est exactement ce qui vient de se passer. Lui était déjà pété. Lui, je viens de le péter en le vissant. Puis celle-là, ben, moi avec ma clé de 12 pans, hein, tu sais, mettons, là, j'arrive, là, je la visse, là, tac, là, j'étais à côté, ça, dans le power steering. Là, mettons, je vais le tourner. Il rentre pas. Ah, oui, j'ai réussi. Yes. C'est tantôt, j'étais capable, genre, en le rentrant tout croche, de le tourner un mini peu, puis après ça, de la rentrer un peu mieux. Puis là, j'étais plus capable, puis là, j'ai réussi. Puis là, j'étais encore plus capable. Puis là, je vais sacrer pour de faire ça plus tard. C'est réchauffé pendant que j'installe le body kit. Ah! J'étais à bedaine, man, pis j'ai collé dans le banc, man. Il est chaud. Ta-ta-da! Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Regardez ce coupé, t'as rap, là. Pis là, ben, j'avais déjà plugué ça, mais checké ça, la Westgate Kangaroo. Parce qu'il était plugué de même. Il était vraiment de même, pis j'étais comme fuck. Elle pousse en malade mentale, mais c'est sûr qu'elle pousse en malade mentale, c'est moi qui l'ai fait ouvrir, là, c'est con. En tout cas. Fait que je vais aller l'essayer de même. Non, c'est vrai, je vais couper ta rame avant. Après ça, moi, je vais l'essayer de même. Ouh! 15 PSI, man, ça c'était hot. À 12-15 PSI, là, quand ça fait. Ça pète en tabarnak, c'est malade. Là. J'irais bien à blow off, mais j'ai pas de blow off. En tout cas, ça pète par le turbo, mais c'est malade, la son que ça fait. Là. Ah, on va la remettre ici. Puis, il est chaud, putain. J'ai le goût d'aller retourner l'essayer, man. Let's do this. C'est encore 5 là. Quand je vais aller à 100 de même là, pour voir le temps qu'il peut faire à 5. Puis je sais le temps qu'il peut faire à 10. Je sais le temps que ça fait un Y8 mettons stock. Fait qu'on va pouvoir tout comparer ça ensemble, ça va être malade. Ah, fait qu'en attendant ce temps là, je suis pas trop là. Oh shit, mon chumé man, la Mazda RX8. Ah, faut que je le rattrape. J'étais même pas vraiment au fond là, j'étais juste comme moitié trois quarts de pédale là.
J'étais comme au fond, mais comme pas motivé, genre. J'étais comme dans Fast and Furious, dans le fond. J'étais comme pas vraiment dans le fond. Même si je fais une course, je suis comme pas vraiment dans le fond. Puis là, à la fin, là, quand j'arrive pour perdre, genre, parce que je suis deuxième, ben là, je le mets au fond, tu sais, parce que c'est le même Fast and Furious, tu sais. Tonight is the night, man. Ah non, j'avoue, j'étais à 5 PSI. Pas grave, j'ai le goût de le faire pareil. Je pense qu'il est rendu à son heure, là. Ben, elle fondrait tout de suite. Parce que là, il me reste 2 heures avant de partir pour son heure. Je vais réinstaller la pipe qui pitch par en haut, puis rendu à son heure, je vais désinstaller le hood. Puis je vais pouvoir aller sur la track, genre en pétassant par en haut. Je sais pas si le feu va sortir ou pas, genre. Je vais m'essayer, fait que ça pourrait être fucking cool. Puis là, ben, je pensais prendre 2 heures aussi pour réarranger mon bumper. Là. J'ai le temps là, de l'enlever, sabler, peinturer, réinstaller. Fait que je pense que je vais faire ça aussi. Là. Puis j'ai la switch de néon là, qui est comme mal réinstallée. Je pense que je vais installer ça. Peut-être même qu'à soir, on va l'exposer à son air, genre style. Je sais pas, style exposition là. On verra bien. Ouais, même s'il n'y a pas d'aileron là. Bon, fait que voici mon bumper avant d'être peinturé. Ben, avant d'être sablé en fait là. C'est ça. Ça, c'est ça. C'est juste la. Je sais pas, c'est noir, blanc ou beige. Je sais pas, je suis daltonien. Blanc ou. Excusez, bleu ou vert. Je sais pas encore. Je suis encore daltonien. Ça part pas tout seul. Il y a une coulisse ici à effacer. Tu sais, ça ici, c'est juste comme couleur fuite de verre en dessous. Mais au moins, si, je le réparerai pas. Mais si c'est noir, ça va moins paraître. Tu sais, ici, c'est pas grave, là, la grille cache ça d'habitude. Ici, dans le coin, là, ça va moins paraître aussi. Fait qu'en tout cas, on va commencer par le sablé, puis on verra bien. Ah bon, ben ça fait 2 heures que je suis en train de faire ça. Non, pas 2 heures, excuse, 1 heure. Parce que. Que ça prend pour faire de quoi de droite. Tu sais, parce que là, sinon, c'est trop texture, genre pleure d'orange, là, dégueu. Puis là, tant qu'à le sabler, on le sabler qu'une fois, on va faire ça comme du monde. Ah, je suis en dessous, je m'écoute parler, mais je trouve que je te parle pas fort. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Fait que là, ça sort tout le temps de même au début. Puis là, à un moment donné, tu persévères, puis ça sort de même. Fait que là, ça a été fucking long faire tout ça. Ah! C'est des parties en haut ici, je. Puis ça ici, je le ferai pas, là. Puis ça en dessous non plus, là, on le voit pas, là. Fuck that shit, je le ferai pas, là. Ça doit peut-être le faire. C'est, si on le voit pas, je le ferai pas. Comment ça va être tannant, esti, là? God damn it! Ben, là, on est infirmière, genre, pis là, elle arrive. Ben, elle étudie pour être infirmière, pis là, elle arrive, pis là, elle m'a donné ça. Ben, il fait chaud là-dedans, man. Damn! Ah! Oh. En tout cas, fait que. C'est pas parfait, là. Il en manque un peu à l'intérieur ici. Toutes les places où je me rendais pas avec la polisseuse, là, avec la sableuse en fait. Là. Je me suis dit fuck that shit là. Mais en tout cas, on va lui donner un petit coup de hose, puis je vais aller lui donner un coup de trameur après. C'est hâte de même, là, pas vrai. Là. Mettons un char tout peinturé, genre, de même. Ce serait spécial, ce serait cool. Fait qu'on le laisse sécher, puis on peinture. Faut que je me dépêche, j'ai rendu 5h30, je vais partir à 6. Max, 6 et quart. Ah, elle est toute peinture gris. Il est rendu 6h03. Fait que dans 15 minutes, faut que ça soit posé sur le char, man. Faut que je m'en aille dans 15 minutes. Fait que là, fuck mon aileron spoon que je pensais installer. Ah. Faut la couche de noir, c'est un ou noir. Je pense que j'ai pas mal fini le peinture. En tout cas, s'il manque une dernière couche, fuck that shit. Parce qu'en 6h30, man, ça me fait fucking chier. Parce que c'est le même à toutes les putains de semaine. Mais bon, c'est pas grave, je me dépêche d'installer ça. Moi, je vais changer mes pantalons, man. Puis après ça. On est parti. Sorry, papa. Fait que ça look quand même good, là. Pour vrai. Oups, je viens de botter une roche dessus. Pour vrai, ça look quand même good pour de quoi qui est à la canette. Il y en a pas pire clair. Ça, c'est d'origine. Ça, c'est un noir au rouleau. C'est un noir différent. Puis ça, c'est un noir mât. En tout cas, il y a comme 4 sortes de noir, là. Mais il faudrait que je refasse l'aile puis le hood. À la canette, là, ça sortira en même couleur que ça, mais en même temps, ça se fait bien vu que c'est pas des bouts de droite, tu sais, tu fais genre ça ici, puis après ça, tu fais le côté, puis après ça, tu fais le bout là. Parce que tout ça, là, ça laisse des marques de canette, hein. Une grande surface à la canette, ça se fait mal, une petite surface, ça se fait bien, ça sort bien. En tout cas.
Ok, guys, je suis présentement dans le Civic Turbo. Je suis parti, j'ai tourné le coin chez nous. J'ai fait de... Ah, c'est trop le fun. Je trippe. En tout cas, m'avance en l'air. La vidéo, vous l'avez déjà vu, je l'ai sorti hier probablement. Fait que c'est tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. Si t'as aimé ça, tu peux liker, t'abonner, peu importe. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Peace!